Bonjour à tous, ici Sprulex et bienvenue dans ce premier épisode de Let's Play sur Escape Academy. On va commencer tout de suite. Escape Academy, c'est de l'escape game en version informatique. Hein. On va apprendre à faire des escape games, enfin, à résoudre des escape games, avoir essayé de trouver des automatismes. Normalement, je suis pas trop mauvais là-dessus. On verra bien ce que ça donne. Alors, on est parti jouer. Alors, solo, nouvelle partie. Prologue. Conseil, gardez toujours un papier et un crayon sur vous. Ok. Moi, j'ai pas forcément. Au pire, j'utiliserai un bloc-notes PC. Mais donc, on est parti. Et n'hésitez pas à venir les lundis. Oui, on est lundi. Donc, les lundis soirs, à partir de 20h30, où je fais ces épisodes, enfin où j'enregistre ces épisodes sur Twitch, bien entendu. Ding. No, bonjour, vous êtes là. Je ne vous avais pas vu sur la liste des réservations. Donnez-moi un instant. Bienvenue à la maison d'évasion, le meilleur escape game que vous pourrez trouver. Avez-vous ce qu'il faut pour vous évader de l'inévadable? Désolé, on me force à dire ça. Bref, empruntez cette porte là-bas et commencez votre périple dans l'escape game ou un truc du genre. Des charges de responsabilité. J'assume la responsabilité des risques encourus en marchant avec LS et en interagissant avec A. J'accepte de consulter mon inventaire avec Y. Il est interdit de courir avec... Ok, on reste en pied sur LS. Signature acceptée. Hop, voilà. Évadez-vous. Good luck in there, I guess. Ok, inspectez. Au moins cette société secrète reste au frais. Gobelet rouge, lire les escape games, ils fleurissent partout dans le pays, mais est-ce la clé pour passer un bon moment? Désolé, on ne pouvait avoir qu'un seul coffre au trésor. Utilisez votre imagination pour celui-ci, la direction. Ok, alors, gobelet jaune, je peux rien d'autre, ok, très bien. Si vous lisez ces lignes, bienvenue initié de votre premier défi, il est maintenant l'heure, car pour entrer dans notre société secrète, tous les initiés doivent prouver leur valeur. Pour ouvrir votre esprit, la patience est la clé, celle de la confiance est vôtre, si vous la méritez. D'accord. Tiens le coup, mon gars. Ouais, bien. Alors, on a un code à 4 chiffres à trouver. On a un code de lettres à trouver. L'horloge est cassée. Faites comme s'il était 12h30 la direction. 12h30, c'est un code à 4 chiffres, ça. Donc, on va essayer. Ok. Très bien. Ramasser. Nouvel objet, indice mystérieux. Et gobelet bleu. Alors, Y. Indice mystérieux. Bleu, jaune, rouge, bleu. Ah, bleu. S, jaune O, rouge R et S sort. S, O, R, S. Très bien. Clé de la confiance. Ok. Tiens le coup, mon gars. Ok. Et là, ouvrir. Utiliser objet. Clé de la confiance. Parfait, vous voyez,
Bon, d'accord. Hein? Où est passé l'employé? Serait-elle partie? Étrange. Inspecter ces produits dérivés ont quelque chose d'inhabituel. Ok, rien. On va faire attention à rien casser. Moins de 1% des sujets réussissent le test avancé. Le sujet actuel semble prometteur, j'ai un bon pressentiment. Non, je peux rien faire. N'oubliez pas d'avoir l'air de vous ennuyer. Échec du candidat 3001, échec du candidat 3002, échec du candidat 3003. Oh, carte de visite d'Ali, T organique d'Ali B, c'est de la bombe. Services fiscaux de Quanti, c'est dur et ennuyeux de faire ses impôts, laissez-moi m'en occuper. Ok. Il se trouve dans vos égouts, contactez Il. Il est un loser, il perd tout le temps contre nous. Ok. Carte de visite de Jeb, comédien professionnel, Père Noël, désormais disponible toute l'année. Cours gratuit d'art plastique avec slip. Coût de dégâts matériels et frais légaux non pris en charge. D'accord, il n'y a rien d'autre. Je peux rien prendre d'autre. Ok. Inspecter, épuisé. Cette fontaine à eau me donne soif de réponse. Ok. Quelque chose cloche ici, je devrais continuer mes recherches. Ah, il faudrait une clé que je n'ai pas. Ok. Il y a des papiers partout ici. Pas grand chose d'intéressant à lire. Je me demande ce qu'il y a à la télé. Ok. Donc là. Il faut que j'utilise les flèches de la télécommande. Ok, oui, là. Alors, haut, droite, bas, haut, droite. Haut, droite, bas, haut, droite. Un W à O, 2 N I. Oh, bon. Je comprends pas. On verra après. On peut aller ici, très bien. Manger un peu. Inspecter. Je pourrais mettre des... Quoi, des cartes de visite? D'accord. On peut récupérer. Ok. Personne n'utilise ça, c'est évident. Ok, on a des correspondances A égale N, B égale O, C égale P, machin. Ok, je vais lancer notre Notepad++ dans ces cas-là. Et je pense que ça va être par rapport à la télé, hein. Alors. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un WRO 2 NYYVR 3 RRY. Ok, et on va devoir faire la correspondance avec le... Voilà. Avec ça ici. Alors, on y retourne. Donc, WRO, W ça donne J, RE... Et O, B,
Alors, NYYVR. Ça donne A, Y, L, deux L donc, V, I, et E, j'imagine, parce que c'était à Lille, c'est sur les cartes de visite, et R, Y, Y, R, ça donne E, E, et Y, on avait dit, c'était L. Ok, donc on a... voilà. Ça va être ici. Alors, 1, c'est Jeb. Voilà. 2, c'est Ali. Et 3, c'est Il. Bingo. Une clé. Clé des mensonges. Est-ce que c'est la clé qui ouvre ici? Il s'est rien passé, oui, il sait pas. Hein, ça coule de source. Un vrai distributeur de serviettes. J'ai hâte de me laver les mains ici. Ok. Bien. Qu'est-ce que... D'accord. Cette caméra-là. La grande clé. Les outils indispensables. Les clés de votre avenir. Déverrouillez votre potentiel. Ah, there you are. J'aimerais bien pouvoir parler de ça à quelqu'un. Pénurie de clés dans la communauté de l'évasion. Production de verrou intacte. Je suppose que vous avez remarqué que ce n'est pas un escape game ordinaire. Et que je ne suis pas une employée ordinaire. Je suis la doyenne d'Escape Academy. Un établissement académique dédié à l'étude de l'évasion. Un lieu qui transforme le talent brut en une valeur sûre et douée d'aptitudes inimaginables. Je crois déceler du potentiel en vous et j'aimerais vous offrir une chance de participer. Si vous voulez sortir des sentiers battus et vous évader, alors montez à bord. Très bien. Bon ben on monte, hein. Hold on tight, everyone! Next stop, Escape Academy! Très bien, présentation, interro surprise, 9 minutes 45, 0,10 utilisé, note finale à plus. L'évasion de votre vie vous attend, la doyenne. Ok. Une phrase secrète est cachée dans cette note. Ah, j'avais pas vu la phrase secrète, mais bon, ça va. Les mots soulignés disent qu'il faut regarder l'horloge. D'accord. Le coffre s'ouvre avec 12,30. Il n'y avait pas de piège non plus, il n'y avait pas plusieurs nombres possibles, voilà. Prenez une poignée de gobelets, les gobelets forment un mot secret, saisissez-le sur le coffre et libérez la clé de la vérité, ouvrez la porte et évadez-vous de la pièce. Mais le mystère n'est pas entièrement résolu. Identifiez une séquence sur les t-shirts et saisissez-la avec la télécommande, rassemblez les cartes de visite qui se trouvent sur le tableau, décodez le nom du téléviseur et scannez les cartes de visite correspondantes. Obtenez la clé des mensonges, ouvrez la trappe et vous êtes dans l'académie. Ok, très bien. Et voici le campus principal, j'espère que vous avez apprécié la balade. Cette vue quand on sort du tunnel, ça me fait toujours un pincement au cœur. Vous devriez vous rendre au bureau de la directrice, elle vous y attend. Vous n'avez qu'à suivre cette voie, puis prendre à droite à la cour commémorative d'Hill Barnes. Bonne chance pour l'examen d'entrée. Oh, au fait, c'est moi. Moi, c'est Jeb, le gardien. Ok, alors... bon, ben, bureau de la doyenne, visité. On va continuer, on a un quart d'heure seulement. Alors, quel prof vais-je devoir impressionner? Si je veux être en tête de classe à la fin de la première année, il faut que... dis, personne ne t'a jamais appris que c'est malpoli de regarder les gens comme ça?
S'il va m'envoyer qu'on laisse... Qui on laisse entrer ici ces derniers temps? D'accord. Très curieux. Pour être longue, elle est longue cette barbe. Bon, allez. L'examen d'entrée, limite de temps 15 minutes, difficulté 2. Allez, on y va, on verra bien. Hello there. Ah, vous voilà, formidable. Je vois que je ne vois que rarement des candidats qui ont autant de potentiel que vous. Désolé de vous parler par caméra interposée, mais je dois avant tout penser à ma propre sécurité. Voyez-vous, cette salle est en train de se remplir lentement d'un gaz qui efface la mémoire. C'est ainsi que notre établissement pourra rester un secret en cas d'échec de votre part. Je dirais que vous avez environ 15 minutes. Après ça, vous perdrez connaissance et vous oublierez tout ce que vous avez, tout ce que vous savez au sujet de l'académie. Évadez-vous avant ce délai et vous aurez réussi l'examen d'entrée. C'est parti. Et réussissez l'examen. Ok, très bien. What are you waiting for? A room full of gas is no place to relax. Les vis et ces grilles ne sont pas serrées. D'accord, il me faudrait des vis. Ça a l'air confortable, mais je n'ai pas le temps de m'asseoir. Un reçu pour 3 trophées étranges. Ok. La gazette de l'évasion, la doyenne va recevoir la camisole d'or. Une plante et un petit bateau. Cette plante est très bien entretenue, la doyenne doit beaucoup tenir à elle. Ok, y a rien. Ah, une disquette. Ok. Je n'ai plus beaucoup de temps. Si vous voulez vous évader, vous devez répondre à une question. Quel est mon nom? Cordialement, la doyenne. Utilisez un objet, j'ai qu'une disquette. J'ai découvert une odeur unique. Non. Je veux pas le savoir. Prénom, deuxième prénom, non. D'accord. Horloge, plante, trophée. Comment ouvrir cette mallette? Horloge, plante, trophée. Je compte sur vous. Ok, donc comptez, comptez, comptez. Un reçu pour 5 plantes. Encore des poussiéreux, rien d'utile. Une minute, ces livres sont faux. Je parie que si j'appuie sur le bon, il va se passer quelque chose. Je sais pas lequel, j'ai pas envie de forcer. Tous ces livres, est-ce qu'il y a un seul sujet que la doyenne n'étudie pas? Des piles de livres, je ne vois aucun nom. Un reçu pour 2 horloges. Alors, 2 horloges, on avait dit. On avait dit 5 plantes. Et c'était 3 trophées là-bas. 2 horloges, 5 plantes. 3 trophées. C'est horloge, plante, trophée. 2, 5, 3. Hop. 2, 5. Très bien. La doyenne en Grèce. Ok, la doyenne en Égypte, ok, la doyenne au Japon, ok. Il me semble que c'est... ok. France, Espagne, Mexique, donc on avait dit... La doyenne en Grèce, 91. La doyenne en Égypte, 54. La doyenne au Japon, 75. Donc ce serait, si je mets dans l'ordre chronologique, c'est Égypte, Japon, Grèce. On va essayer, hein. Égypte, il est là. Le Japon, il est là. Et la Grèce, et la Grèce, et la Grèce. Et la Grèce. Bingo. Walls are often misleading at the academy. Ça fait combien de temps que ça traîne ici, ça? C'est dégoûtant. Il n'y a rien écrit sur ces trophées, dommage. Les vieux livres poussiéreux, je n'ai plus beaucoup de temps. Ok, bon, bah, on a vu toute la pièce ici. Regardez-moi tout ce bazar. Voilà, un doctorat. Combien de doctorats est là? Mais il n'y a pas son nom sur le doctorat? Ah, une clé. Il y avait un cadenas ici.
Cornelis, très bien. Pariahs. Photo de groupe. Liz, Rick, Sandy, Hill, Charlie, Kim. Les parias. Alors, le tournevis, c'est pour ici. Les vis ne sont pas serrées. Très bien, ramper. Look who thinks they're sneaky. Donne-moi ton nom. Hein? Alors, conduit entretenu par Jeb. On va noter ça, hein. En cas de problème, appelez-le 05. Alors, Jeb 05 36 49 42 42. Ok, voilà. Téléphone, oui, un téléphone, ok. Téléphone, donc 05 36 49 42 42. You've reached Jeb. Oh, wait, Headmaster Solange? Aren't you interviewing the new kid? Ok. Donc la doyenne Solange. Non. Bon, ce sera pas le deuxième prénom, donc ça va être le nom de famille Solange. Solange, très bien. Alors, il y a la deuxième pièce. Est-ce qu'il n'y a pas d'académie ce... Bon, il n'y a pas le nom. Une de ces ampoules est cassée, j'ai pas d'ampoule. Château d'Escape, un bon millésime. Il y a quelqu'un là-dedans? Non. Voilà des objets plutôt agressifs. Tout cet or, ça doit valoir une fortune. Cette statue a l'air d'être ancienne, mais il n'y a pas de nom. Encore des plantes. La bouteille est encore fraîche et il y avait quelqu'un ici il n'y a pas longtemps. Ce masque de renard me dit quelque chose. Dorémy face à la scie. Ok. Non. Regardez-moi tous ces bijoux. La doyenne a une grosse collection. Des mousquets à poudre noire. Une décoration rustique. Insérer une disquette. Tiens. Hop. L'ami doré. Ok, la mi doré, les notes. La mi doré. Music never dies. Ampoule à UV, bah il manquait une ampoule là-bas. Ok. Très bien. Jacqueline, et c'est son deuxième prénom puisqu'il y avait son nom avant et son nom de famille après, mais malheureusement. Effacé, donc c'est Jacqueline. Voilà, et son prénom maintenant. J'ai rien vu. Inspecter, les poches sont vides. J'ai oublié quelque chose. Ça c'est fait, il y a ce masque de renard, mais ça me dit rien. Oh, on va y aller en force brute alors, hein, si ça va pas. Il n'y a vraiment rien, il n'y a rien d'écrit sur ces trophées, étrange. Si vous voulez vous évader, machin. Aucun doute, c'est une lampe du bureau. Pas de nom.
Le vieux livre poussiéreux, personne n'y a touché depuis un moment. Ouais, c'est tout. Bon, wow, on va y aller en brut, hein. Looks like that memory gas is getting to you. Non. Ah, mince. Ok, ça prend de plus en plus de temps à chaque fois que je me trompe. Qu'est-ce que j'ai comme objet? Photo de groupe. Liz, Rick, Sandy, Hill, Charlie, Yu, Kim. Et elle avait les cheveux assez larges, donc ça doit être Sandy. Il n'y a pas de Sandy, mais Sandy c'est le diminutif de Sandra. Ah, c'est ça. Obtenir au moins un B+ dans Ziz. Impressive. I knew I saw potential in you. Invasion réussie. A plus. Très bien. Je me trompe rarement au sujet des élèves que je recrute et vous ne faites pas exception à la règle. Ok, la doyenne. Examen d'entrée cours officiel. Alors, trouver une clé dans la page de manteau, déverrouiller le bureau, prendre le tournevis, dévisser la grille, glissez-vous dans le conduit, appelez le numéro pour connaître son nom de famille. Comptez les horloges, les planter, les trophées dans la pièce. Ouais, je comptais les factures, ça revenait au même. Récupérer les photos de la doyenne en Grèce, au Japon et en Égypte. Appuyer sur les livres en suivant l'ordre des photos. Trouver la disquette sur l'étagère, très bien. Serrer la disquette, l'ordinateur affiche la mi dorée. Jouer la mi dorée au piano pour récupérer une ampoule. L'ampoule permet de lire le deuxième prénom de la doyenne écrit à l'encre UV. Ce masque de renard, c'est celui que Sandy porte sur la photo. Ah, d'accord. Je savais que je ne me trompais pas sur votre compte. Vous n'imaginez pas le nombre de recrues potentielles que nous avions dû faire sortir sur un brancard. Mais c'est bavassé, vous voulez du contexte, des réponses, de quoi aller de l'avant. Bienvenue dans Escape Academy où sont formés les plus grands experts dans l'art de l'évasion. Nos élèves deviennent des espions, hackers, voleurs et même présidents. Si vous voulez connaître le même succès qu'eux, vous allez devoir prouver votre valeur en obtenant 10 badges. Pour ce faire, vous devrez réaliser de grandes prouesses aussi bien en classe que sur le campus. Si vous réussissez, vous gagnez notre sceau ainsi que le droit de vous dire spécialiste de l'évasion. Alors, lancez-vous, explorez le campus, rencontrez des professeurs et libérez tout votre potentiel. Que votre aventure académique commence. Welcome to the Academy. Chapitre 1, premier trimestre. Eh bien, on verra ça pour le prochain épisode. Voilà, et on verra par rapport aux différentes épreuves. Si jamais c'est une épreuve qui dure plus de 20 minutes, ce sera une épreuve par épisode. Voilà. Ok, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mettez des pouces en l'air, abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et portez-vous bien. Bye.